C'est vous qui chantez. Mon âme, alléluia. Ma cabasse qui bouge. Mon âme, bénis le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur et dis merci de tout ton cœur ce soir. Dis merci de tout ton cœur. Bénis le Seigneur pour ses hauts bienfaits dans ta vie. Donne-lui toute la gloire. Ce soir, ne regarde pas autour de toi, mais bénis Dieu, bénis son Saint-Nom, bénis sa main puissante dans ta vie. Alléluia, merci Jésus. Mama kabo sekebo, la rakabaraba sekerebo shatara. Louange à toi Seigneur. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Invoque le sang de l'agneau sur ta vie ce soir. Nous sommes dans la semaine. Nous sommes dans la saison pascale. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Une dernière fois, tout le monde ensemble. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous prenons nos Bibles rapidement. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous sommes toujours dans notre thème central depuis le début de l'année, le secret des vainqueurs en Christ. Quelqu'un ne m'a pas compris. Laisse quelqu'un répondre à ta place. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 11. Amen. Alors, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vas-y. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas jusqu'à, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, on peut le dire ensemble. On reprend le verset et on le dit ensemble. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause
parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu. J'ai dit, ils l'ont vaincu. Alors, avant qu'on ne s'asseye, il faudrait qu'on fasse un peu de français. Il a aimé à. Et il a est quoi au singulier, au pluriel, c'est quoi? Vous voyez bien, c'est quoi? Alors, le il a aimé pour Jésus. Amen. Asseyez-vous. Donc, c'est une parole certaine. Voyez, nous rentrons comme ça indirectement dans le mystère de l'œuvre de la croix. La source de notre victoire n'est rien d'autre que ce qui a été accompli à la croix du calvaire. C'est pourquoi, voyez, pendant la Pâque, nous sommes heureux. Parce que pour nous, c'est la source même de notre victoire. C'est là que nous avons reçu la victoire. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, a triomphé des ténèbres, a triomphé des démons, a triomphé des forces des ténèbres pour nous. C'est là qu'il a remporté la victoire pour nous. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que tu n'es pas concerné. Tu peux fermer ta bouche parce que tu n'es pas concerné. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas sauvé, son attitude même déjà, ce n'est pas une affaire de mise en scène. Vous savez, quand quelque chose ne vous concerne pas, dans tout ce qu'on fait, tu es indifférent. Il y a des gens comme ça. Ils sont indifférents, malheureux, misérables, parce qu'ils ne sont pas concernés et ils ne sont pas au bénéfice. Vous savez, quand tu ne bénéficies pas de quelque chose, quand on parle de la chose, ça te fait mal. C'est pourquoi quand vous vous asseyez, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui est converti, né de nouveau, et puis qui a le discernement, et surtout qui est dans l'esprit. Sinon, quand tu vas dire amen, il va te regarder à chaque fois comme ça, comme un étranger. Dis à quelqu'un, je dis, j'espère que ce n'est pas de toi, il parle comme ça. J'ai un étranger, va derrière moi. Le thème de notre sous-thème, ce soir, comprendre la puissance du sang de Jésus. Il faut écrire d'abord. Si tu sais lire, il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il faut écouter. Mais si tu sais lire et écrire, que tu ne peux pas écrire, il faut sortir. C'est de l'orgueil. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit, si tu sais lire et écrire, il faut écrire. C'est du français. Quand tu ne sais pas lire et écrire, ça c'est un autre cas. Donc il faut comprendre la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que le thème central de la saison dans laquelle nous sommes jusqu'en juin ou jusqu'en juillet, c'est le secret des vainqueurs en Christ. Nous avons vu déjà plusieurs sous-thèmes. Et ce soir, nous allons parler de la puissance qui réside, qui est renfermée dans le sang de l'agneau. Pourquoi est-ce que le sang de l'agneau nous donne la délivrance, la libération, la liberté, nous protège, nous garde, nous préserve, nous guérit, nous réconcilie avec Dieu? Il n'y a pas plus grand dans le ciel que le sang de l'agneau. Oh, s'il te plaît. J'ai dit, il n'y a pas d'instrument plus puissant, plus fort, plus grand, plus élevé, plus autorisé que le sang de l'agneau. C'est pourquoi. Prenons rapidement. Apocalypse chapitre 12, nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible dit, c'est Jean qui révèle. Il dit, ils l'ont vaincu. J'aimerais faire une parenthèse. Vous savez, quand nous parlons de la croix, nous parlons de l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix. On ne parle pas du morceau de bois en lui-même. Quelqu'un me dit amen. Donc il n'est pas question d'aller porter un morceau de bois au cou et dire je porte ma croix. Non, tu n'es pas en train de porter ta croix, tu es en train de porter un morceau. Ça c'est de l'idolâtrie. Quand on parle de porter sa croix, c'est être dans des dispositions intérieures de cœur, de subir des outrages, des violences, des menaces à cause de l'œuvre de Christ dans ta vie. C'est très important de comprendre cela. Donc quand le Seigneur dit que nous devons renoncer, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qui se charge de sa croix et qu'il me suive, il n'est pas question d'aller porter un morceau de bois. Mais la croix que nous portons, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que nous avons des dispositions intérieures de subir, parce que le Christ lui-même a souffert pour nous, et nous devons être disposés d'esprit à subir des outrages, des insultes, des mépris à cause de Jésus-Christ. C'est cela, porter la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a une chose, nous savons tous que le jour de la Pâque où le Christ s'est immolé, s'est sacrifié lui-même pour payer le prix, parce qu'en vérité, vous savez, le péché, c'est une dette. À la Pâque, nous aurons l'occasion d'expliquer toutes ces choses. Le péché est une dette. Quand vous péchez contre Dieu, vous avez une dette envers Dieu. En vérité, le péché, c'est contre Dieu, ce n'est pas contre l'homme. Même si vous avez péché contre un frère, contre un homme, contre votre patron ou votre père, votre mère, c'est d'abord contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué la loi. Et le péché nous amène à violer la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dès l'instant où nous avons violé la loi de Dieu, nous devons réparer cette loi que nous avons violée. Et comme nous n'avons pas le pouvoir ni la capacité de réparer cette loi, alors nous avons ce que la Bible appelle, selon Lévitique, la loi Lévitique, nous avons un proche parent. À la Pâque, on va bien expliquer pour que vous compreniez. Vous savez, si quelqu'un n'a pas compris le message et véritablement l'œuvre achevée à la croix, il ne sera jamais heureux dans la foi chrétienne. Et il n'aura jamais de fondement. Et il ne sera jamais, il ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle le repos de la foi. C'est-à-dire tout le temps, regardez ma main, regarde, ce n'est pas le temps d'écrire d'abord. Il y a un temps, tu écris et puis tu suis. Si quelqu'un n'a pas compris ce mystère-là, toute sa vie chrétienne, il sera apeuré, agité, angoissé. Parce que même quand il verra un cercueil en rêve, écoute-moi très bien, cela arrive à tout le monde. Quand il verra un cercueil ou un parent qui est décédé, venir chercher à le poignarder ou à lui faire quelque chose, vous allez avoir peur. C'est vrai qu'on va crier ensemble, on va prier ensemble. Mais quand tu es seul, quand tu verras ces choses, tu vas avoir peur. La voix de la mort te dira, tu vois, ta tante, ton père, ton oncle, ton grand-père est venu te chercher. C'est vrai que dans l'assemblée, on crie tous Alléluia, je suis plus que vainqueur. Mais quand le diable est rusé, quand il sera seul, il va te révéler des choses, il va te montrer des songes, il va te faire entrer dans des cauchemars, ou quand tu vas te réveiller, il aura des signes extérieurs que quelque chose est en mouvement dans ta vie. Des symptômes, Makebob, tu verras des signes. Et ces choses-là vont essayer de conditionner ton esprit pour te dire ta mort est arrivée. Quand vous verrez ces choses, il faut que vous compreniez le mystère de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Parce que le chrétien, il est dans la position de s'approprier. On ne fait rien, on ne gagne rien, on ne combat rien. On est là pour nous s'approprier ce que le Christ a accompli à la croix. Si quelqu'un a compris, il lève sa main droite et il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu seras le plus misérable, même tu peux être pasteur. Quand Satan va réclamer certaines choses, il y a des choses que Satan va activer dans ta vie à un certain moment. Je peux vous expliquer quelque chose simplement. Vous savez, Jésus dit à Pierre, il dit Simon, il ne dit pas Pierre, écoutez-moi. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il ne dit pas Pierre. Il parle de la dimension humaine de Simon Pierre. Simon Pierre. Quand Simon est venu à Jésus, parce que c'est le vendredi, il faut qu'on vous explique certaines choses. Parce qu'on est à l'école des vainqueurs en Christ. Quand Simon est venu à Jésus,
Jésus l'a regardé et lui a dit, tu t'appelles Simon. Simon qui veut dire roseau, instable. Mais Simon, fils de Jonas, je vais faire de toi une pierre. Tu vas être un rocher. Tu vas être inébranlable. Et quand le rocher que je suis va pénétrer ta vie, toi qui es le faible, vous voyez, c'est dans ta faiblesse que le Christ est glorifié. C'est quand les épreuves aux commandes, c'est face aux attaques que tu vois la grandeur du sang de Jésus. Mais s'il n'y a pas d'attaque satanique, d'attaque mystique contre ta vie, le nom de Jésus devient slogan. C'est-à-dire, tu dis Jésus, mais tu n'as pas encore vu la démonstration qui est dans le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas comprendre. Vous savez, ce que vous n'avez pas expérimenté devient un slogan pour vous. Vous pouvez dire Jésus est fort, mais Jésus est fort par rapport à quoi? Je peux expliquer ça là. Mais c'est pour ça que quand l'enfant Jésus est né, l'ange a dit à sa maman, a dit à la Vierge Marie, l'enfant qui naîtra de toi, Matthieu chapitre 1, le verset 21, si tu prends note, il dit, l'enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Yeshua. Tu vas l'appeler Jésus, qui veut dire sauveur. Quand Jésus est né, sa maman lui a dit, ton nom, c'est Jésus. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple, il ne dit pas les païens, il dit mon peuple périt. Pas parce que les sorciers sont forts. C'est pas parce que les sorciers sont forts que tu as des ennuis. C'est parce que ta cervelle ne retient pas et tu n'arrives pas à te l'approprier. On ne te demande pas d'aller conquérir quelque chose. C'est déjà fait. Il faut que tu acceptes de prendre. Donc Jésus était sur terre, son nom c'est Jésus, mais la Bible dit en Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Mais attendez. Mais quand l'enfant est né là, on lui a donné déjà son nom, non? On lui a donné ou bien on ne lui a pas donné? Mais le nom qu'on lui a donné n'avait aucun effet. Il y a des noms qu'on te donne, ça ne va pas quelque part. Parce que ce qui fait la substance, la force, le pouvoir du nom doit être accompli d'abord. C'est pourquoi la Bible dit « c'est pourquoi ». Ça veut dire, c'est quand il est allé à la croix du calvaire, quand il a accompli l'œuvre, il a achevé l'œuvre, il a accepté de mourir, de donner sa vie comme rançon. Une rançon, c'est le prix qu'on paie pour libérer un captif, un esclave. Jésus lui-même, sa personne, c'est le prix. Il n'avait pas l'argent. C'est son corps tout entier, son âme et son esprit. C'est lui-même tout entier. C'est pour ça que quand quelqu'un ne comprend pas la croix, il n'est pas loin d'être maudit. Je vous dis la vérité. Il est plus misérable que les païens. La croix renferme. C'est pourquoi la croix éternelle, même dans l'éternité, on sera toujours reconnaissant à l'œuvre de la croix. La croix ne va pas disparaître. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est absolument suffisant. C'est pourquoi quand un homme s'apitoie, un homme se soucie, le ciel est étonné de son attitude, car tout a été pourvu. Amen. Donc l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix a donné l'autorité en son nom. C'est-à-dire en dehors de la croix, son nom Jésus là, il n'est pas le seul qui portait ça. C'est un nom commun. Ce nom-là est synonyme de Josué, qui veut dire sauveur.
Donc quand il s'appelait Jésus, c'est pour ça que l'ange a dit, mettez le Christ là-dessus. Appelez-le Yeshua Amashia. C'est-à-dire, Jésus là c'est commun, mais Jésus le Messie. Vous savez, il y a des petits noms même qu'on va ajouter à ton nom au village pour te différencier des autres. Hein? On dit Claude le professeur. Mais professeur, ce n'est pas son nom. Mais il y a 15 Claude dans le village. Jésus n'est pas le seul Jésus. Mais lui, son Jésus, là, c'est lui qui est le Messie. Et c'est quand il est allé à la croix, quand il a fini l'œuvre, c'est pourquoi cette croix, nous ne pourrons jamais l'oublier. Quand il a achevé l'œuvre à la croix, il y a au moins 7 mystères que je vais vous expliquer à la Pâque. 7 mystères, 7, qui ont été accomplis à la croix. C'est 7 mystères-là. C'est sur ça qu'on marche. C'est pourquoi Satan peut m'apparaître avec tous mes grands-pères qui sont morts. Ça ne va pas quelque part. Crois simplement que le Christ est mort à la croix, il a payé le prix. On trouve que non, ça c'est trop dépassé. Ça ne fait pas effet. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Si tu crois, il n'a pas dit si tu fais. Tu vas faire quoi? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous là, nous pouvons faire? Toi, tu vas faire quoi contre les sorciers de ta région? Contre les sorciers de ta famille? Tu vas faire quoi? Offrande. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es malheureux. C'est quelle offrande tu vas faire? Réfléchis un peu, même si tu n'as pas été à l'école. C'est comme quelqu'un est en train de vendre quelque chose. On dit par exemple, que ce panier-là, quelqu'un dit qu'il est en train de le vendre. Et un frère t'a dévancé, il vient avec 100 000. On lui dit ça ne vaut pas le prix. Que tes 100 000, tu ne peux pas acheter. Et toi, tu es malade dans ta tête, tu viens avec 32 000. Et pour ça, tu quittes Bassam pour venir. On dit 100 000 ne peut pas payer. Celui qui est venu avec 100 000, il est venu de Bundiali. Il n'a pas pu payer. Toi, tu quittes, peut-être même, disons, Korogo. Tu dis non, tu n'as pas pu payer. Il dit oui, j'ai pris le cas, je retourne. Écoute-moi bien. Je prends des exemples simples comme ça pour que, tu vois, tu comprennes dans la tête. Et celui qui est venu à ses 100 000 est en train de retourner. Et toi, c'est maintenant, tu prends ton cas. Tu viens à 32 000. Tu es plus fou. Non, 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 pardonnez-moi. Tu es fou plus que le fou du fou. 100 000, il est en train de retourner. Toi, tu viens à être 32 000. Non, tu n'es pas fou. Tu es le père du fou. J'explique. Jésus-Christ, si lui, son œuvre, lui qui a une vie illimitée, écoutez bien le français, sa vie là est illimitée. Les gens, oh là là, les gens, attendez, les gens vous diront, non, ce n'est pas ce qu'il a fait à la croix là qui nous sauve. C'est quand il est descendu en enfer. Non, c'est un blasphème. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang à la croix. Si son sang là n'est pas capable de te protéger contre les sorciers, de te réconcilier avec Dieu, de te garder, de te préserver, de préserver ta maison, c'est quelle offrande qui peut aller encore te garder? Lui, ça, écoutez, la vie d'un homme est dans son sang. Or, le sang de Jésus est un sang éternel. Oh, ça me fait mal si tu n'as pas compris ça. Parce qu'en vérité, tout se résume au sang. Il n'y a rien qui est au-dessus du sang. La vie de l'homme est dans son sang. C'est pourquoi quand un homme donne son sang, il a donné sa vie. Et Jésus a donné son sang. Or, son sang est illimité. Son sang est éternel. En versant son sang, Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie en remplaçant de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est pourquoi il y a pouvoir illimité dans le sang. Ce n'est pas un pouvoir limité. Les boucs, on va lire ça, Hébreux chapitre 9. Prenez ça, on n'a même pas. Oh l'eau, alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 14 à 15. Et prends note. Allons-y. Il faut que tu comprennes la puissance qui est dans le sang. Il ne faudrait pas que tu craignes. Tu dois, c'est une abomination, une idolâtrie, une malédiction d'aller faire une offrande pour ma protection. Dis que Dieu m'en garde. Si tu ne parles pas, tu vas sortir. Dis Dieu, que Dieu m'en garde. Tu vas être aussi ignorant, plus ignorant que le mot que je ne veux pas dire ici. Tu n'es pas tombé plus bas. Offrande à qui? Tu n'as pas d'offrande à donner. Il y a quelqu'un qui a donné l'offrande que le Seigneur a donnée. Jésus est ton proche parent. Dans la loi Lévitique, quand tu as péché, même quand tu as vendu tes biens et que tu n'as plus rien, et puis toi-même tu t'es vendu. La Bible dit là où tu es, tu n'es pas perdu éternellement. Si un de tes parents joue à de l'argent et vient et voit celui qui t'a acheté, il doit dire, monsieur, je suis venu acheter mon frère, hein, lui qui est derrière toi, Florent, je suis venu, tu l'as acheté à 50 ans, 40 ans. Je suis venu l'acheter. Donc, ton proche parent. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Un mystère caché en bas de ça. Quand quelqu'un doit être racheté, il doit être racheté par son proche parent. C'est pourquoi les sorciers qui sont rusés ont transposé ça dans la sorcellerie. C'est pourquoi aucun homme ne peut te livrer en sorcellerie si ce n'est ton proche parent. Vous voyez comment le diable est rusé et pervertit les œuvres bonnes du Seigneur. C'est pourquoi quelqu'un de l'autre village ne peut pas te tuer sans l'accord d'un des membres de quelqu'un dans ta famille qui a un droit de sang sur toi. Ça n'existe pas. Sinon, les sorciers, il y en a des milliards dans le monde. Pourquoi ils ne te tuent pas? Mais parce qu'ils n'ont aucun droit. S'ils doivent te tuer, étant païen, il faut qu'il rentre en contact en sorcellerie avec l'un de tes proches parents. Soit ta tante, ton oncle, ton cousin, pour qu'il donne le feu vert. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus, on n'était pas son parent, il était esprit éternel. Je vous dis ces choses parce que je vais expliquer à la Pâque. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes. Tu vas dire, mais pasteur, pourquoi depuis moi, ça fait 42 ans, je vais partout dans le monde. Au Bénin, au Tchad, partout. Il dit, il n'y a pas sorcier. Je suis allé au Bénin, il dit, il n'y a pas sorcier. Il n'y a pas sorcier. Ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils sont impuissants. À cause de quoi? À cause de? À cause de l'Église. Mon baptême. Ma communion. Comment l'église évangélique des gens sont tordus dans leur tête à cause du sang, parce que tout se règle par le sang. Même on était païen pour faire les sacrifices, c'est sang. Tu es allé faire, tu as gâté le totem de quelqu'un, on dit il faut envoyer sang. Ils ont triché, ça est Dieu. Jésus était esprit éternel, et quand on a péché, on était désespéré, il n'y avait plus d'espoir. Jésus a revêtu un corps. Or, le corps est pour ceux qui sont terrestres. Mais à cause de toi, il a pris quelque chose de horrible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu qui est illimité se met dans un corps limité. C'est-à-dire, c'est comme ton enfant est à la maternelle et toi, tu es multimilliardaire, PDG de plusieurs entreprises dans le monde, mais on t'a dit que ton enfant est tombé dans une situation où il faut que tu te mettes dans l'habit de l'école pour rentrer là-bas. C'est-à-dire, ça ne fait pas rire. Si on ne vous explique pas les détails de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'humiliation que Jésus a portée pour venir sauver, c'est pourquoi certains dansent quand ils sont heureux. Ils viennent adorer le Seigneur quand tout va bien. Non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de temps, je n'ai pas encore reçu ce qu'il doit recevoir. Je ne me vois pas en train de chanter, je suis honnête avec moi. Mais parce qu'on t'a jamais, tu n'as jamais compris le sacrifice que Jésus a consenti. Pas seulement à la croix, depuis sa descente du ciel. Comment il s'est. C'est comme vous voyez le président, Joe Biden des États-Unis.
qui vient vivre à derrière rail, on lui dit de vivre là pendant 5 ans. Il boit l'eau de puits, il va au champ, il casse bois, il fait tout, il mange manioc comme tout le monde pour venir voir la souffrance des Africains. C'est ce que Jésus a fait. Tu comprends maintenant? Lui qui normalement ne doit pas toucher sa barbe, les gens tissent sa barbe et le sang sort. Mais il est dit dans le contrat que quand ils vont te faire ça, tu as renoncé à, tu vois ça te fait mal, mais tu ne dois pas réagir. C'est ça là qu'il te dit, si tu veux me suivre, il faut faire comme j'ai fait là. Tu dis non. Pour moi, reste pas. C'est un mystère. Donc il a porté quelque chose qui est bizarre sur lui. Le corps qu'il portait là. Normalement, il ne doit pas porter corps. Il est esprit éternel. Jusqu'à Dieu a faim. Et il tremble. Il tremble à cause de nous. Est-ce que tu connais le prix que Jésus a payé? Mais que Dieu me fasse la grâce pour qu'à la Pâque, je t'explique. Quand on va, tu vas comprendre le mystère de l'humiliation de Jésus. Quand quelqu'un va t'insulter, il n'a rien fait. Si Jésus, on l'a descendu plus bas, et toi, on commence à t'insulter à cause de Jésus, mais toi-même, tu applaudis. Tu es content. Tu es heureux de ce qu'on t'humilie à cause de Jésus-Christ. Dis, ah, vraiment, je cherche ma raison. C'est quelle raison tu cherches? Jésus a été rabaissé plus bas. D'accord? Lis rapidement. Oh là là. Lis. Hébreux 9, 14 à 15. Regardez. Combien plus le sang de Christ? Lis le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs Mayaka. Et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. Si le sang des vaches, des bœufs, la cendre d'un animal, on a pris, regarde ici, ça dit, il faut que tu comprennes. On a pris sang de mouton. Ils ont mis sur l'inteau des portes. La mort qui voit clair. C'est-à-dire, c'est pourquoi l'incrédulité est pire qu'un PD. Quand tu es un incrédule, tu es pire qu'un PD. L'incrédulité, c'est décider délibérément de ne pas croire. Les gens jouent à ça et disent, ah, moi, je suis un incrédule. Mais tu es grave. Tu es le pire des pécheurs. Sang de mouton, de cocotte. On prend, on met sur porte. La mort qui n'a jamais été effrayée par quoi que ce soit sur terre. Il vient, il voit les sangs. C'est sang des moutons. Ça, c'est sang des moutons que la mort, les sorciers ont vu et puis ils reculent. Mais je t'annonce que toi, c'est pas le sang d'un bouc, c'est pas le sang d'un agneau, c'est le sang de Jésus de Nazareth qui est sur toi. Le sang de Jésus t'a revêtu. Le sang de Jésus est sur ton âme. Le sang de Jésus est sur ton esprit. Le sang de Jésus est sur ton corps. Tu n'as pas le sang des boucs. Si le sang des boucs a fait effet, c'est comme si tu as quelqu'un. Il est en Guinée. Salut les frères en Guinée qui nous suivent là-bas. Il te dit, ah frère, vraiment je suis ici. En tout cas, on a un de nos fils qui est en Guinée actuellement. Un de nos missionnaires qui est là-bas. Il est venu la dernière fois, il dit, ah vraiment le vieux. En tout cas en Guinée là, vraiment c'est bien. C'est bien. Ça dépend de ces biens là, c'est comment. Ça ne peut pas être bien si tu n'étais pas bien. Il faut être bien pour que tout soit bien. Il est parti à elle, le patol. Quand tu arrives là-bas, que tu convertis dans leur monnaie, c'est bien maintenant. Et quand quelqu'un n'y voit rien, toi, il est parti, il avait au moins 150 000. Mais regardez la maison qu'il allait louer. Il a mis sur WhatsApp. Il dit, tu fais, il dit, le vieux, ici, là, Dieu fait grâce au papa.
Et puis toi, tu es parti à 50 millions. Dis, le choc sera choquant. Mais là, c'est le palais. Voilà le président, voilà ta maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis même pas encore rentré dans mon message. Sans des boucs, quand il lit Bible, c'est ça qui a fait que la mort n'est pas rentrée chez les Israélites. Ce n'est pas sans d'un homme, c'est sans des moutons. Dis mouton. Dis son sang. À chasser la mort. Est-ce que tu t'entends parler? Quand tu parles, tu entends? Sang de mouton a chassé la mort. Parce qu'ils ont mis, ils ont obéi et ils ont mis. Toi! Tu comprends pourquoi est-ce que depuis près de 40 ans, on dit là où les sorciers sont rassemblés, c'est là-bas, nous on s'en va. Tout le monde ne peut pas dire amen. Je regarde vos bouches, ce n'est pas une affaire de pasteur. Leurs bouches, certains, leurs bouches sont fermées. Il dit, ah, pasteur, mais là où il y a sorcier, ne peut pas aller là-bas. Mais c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire de converti. Frère, parce que tu sais, on ne sent pas, c'est un fait. Ce n'est pas un débat. Là où tu es dans le sang. Le Christ a accompli des choses. Et ce qu'il a accompli là, on doit se l'approprier. C'est pas toi-même, tu ne peux pas avoir victoire. Un milliard d'années, on te met ici. Tu ne vas pas avoir. Il faut aller prendre la victoire de Christ. Nous, on célèbre la Pâque là. Ce n'est pas pour faire autre chose. On célèbre la victoire de Christ. Parce que la victoire qu'il a acquise là, il a mis ça sur notre compte. Donc là où tu es ton habit, pourquoi pochette de quelqu'un peut guérir malade? Réfléchis. Je peux expliquer? Mais sur là, scientifiquement, c'est démontré que ça sort même de ton corps intérieur. Et que même quand on prend ta sueur là, qu'on fait des analyses approfondies, mais écoutez, la sueur même de Jésus est devenue du sang. C'est pourquoi avec ta salive, on peut faire des analyses et savoir qui es-tu. Donc ta sueur, donc la vie de ton sang sort dans ta sueur. C'est pourquoi les apôtres prenaient les pochettes et puis ils touchaient les malades étaient guéris. Bon, j'ai expérimenté ça ici, ce n'est pas une affaire mystique. Le jour que tu vas prendre conscience qu'en vérité ton corps est l'habitation du Christ et que même sueur qui sort n'est pas simple. Sueur qui sort sur toi là, c'est pas simple. Non, mais toi, tu ne peux pas savoir ça. Tu marches comme ça, cabot. Pour toi, tu es comme ça. C'est l'ignorance là. Ce n'est pas la puissance des sorciers. Les sorciers, ils sont puissants vis-à-vis des païens. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts. Ils sont forts. Mais ça, c'est face aux païens. Ce qu'ils font là, c'est réel. Mais le problème est que la réalité ne peut pas vaincre la vérité. Nous, on n'est pas dans réel. On est dans vérité. Le sang de Jésus. C'est pourquoi, il faut lire maintenant, lis. On a 3 minutes. On n'a même pas pu introduire. Vas-y, vite. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Par un esprit éternel. Regarde, le sang des boucs, des bœufs, on les tuait, on transformait en cendre, et puis on prenait pour purifier des choses dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, si on a pris le sang de ce bouc-là, qu'on a tué, on a mélangé avec un peu de cendre, on met sur une maison, la maison est sanctifiée. Il n'a pas compris, hein? J'ai dit, la maison est sanctifiée. À un cendre, et puis sang du taureau, là, ta maison est sanctifiée. Dis amen. Et quand tu réfléchis, c'est pour ça que c'est un blasphème quand tu ne comprends pas le mystère et le pouvoir absolu dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire quelqu'un a le sang de l'agneau. Frère, tu comprends quelque chose? Comme un commandant, il a quelques agents avec lui et puis il voit un scout. Un scout, les petits scouts là,
Les quoi? Les vétos, comment on les appelle? Comment? Louveto. Louveto. Un loser, Louveto. C'est maintenant il vient d'entrer. Et toi, commandant, tu es armé, tu le vois venir et tu te mets au garde à vous. Et tu dis, ah, vraiment, oui, petit là, il a porté 4 étoiles. Mais ces 4 étoiles là-haut, il va où avec? À la limite, c'est pour son papa et sa maman. Son petit frère qui a la maternelle, et c'est pour jouer à ça. Ces 4 étoiles là, ce n'est pas l'équivalent d'un quoi? Un recrue à l'école de police. Et puis, commandant, toi, tu le vois, et puis tu te mets au garde à vous, et tu dis, ah, qu'est-ce que je peux faire, Louveto? Vraiment, il faut me comprendre, mon général. Tu es un fou. L'armée de Côte d'Ivoire, le chef de l'État doit arrêter ta tribu. Tu as jeté l'opprobre sur l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une insulte. Tu es l'erreur de l'armée de Côte d'Ivoire. Tu es une erreur. Voilà ce que ça signifie quand vous jouez avec le sang de Jésus a autorité dans le ciel. Ce qui fait que les démons crient quand ils te voient, ce n'est pas ton visage, c'est le sang qui est sur toi. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas te toucher. Ce n'est pas offrande que tu vas donner au prophète, misérable prophète. Tu vas donner, quelle offrande même? D'où vous tirez ça même? Non, mon homme de Dieu, et voilà une offrande, il faut faire des prières sur moi. Faut faire des... Lui-même qui est là, sa vie est sécurisée. Tu sais dans quoi il est? Quand nous chantons que ma vie est sécurisée, mais c'est à cause du sang de Christ sur nous. Et si le sang des taureaux, le sang des boucs a pu purifier, garder le sang des moutons, afin que la mort a freiné devant la maison des Israélites qui étaient à Kadesh. Mais c'est à plus forte raison, toi. Et dès que tu as un petit souci, tu as peur, tu te demandes si... Mon Dieu, essaie de voir ma vie parce que ces temps-ci, je vois des esprits qui sortent, Je ne sais pas s'ils ne vont pas finir ma vie. Mais adieu. Adieu. Peut-être c'est ton jour qui est arrivé. Il faut partir. Toi, tu peux appeler quelqu'un dans des conneries comme ça. Tu les vois, tu dois dire quoi? Quand tu te réveilles, tu appelles les gens ou bien tu pries? Comment? Je vous écoute. Tu fais quoi? Tu pries comment? Dans la foi ou bien dans la peur? Dans la foi. Tu dois louer des gens pour ça? Ça dépend de ce que j'ai vu. Il y avait un esprit humain, un esprit dragon. Et puis mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était à côté d'Adam. Il faut voir le grand-père d'Adam. Ça ne m'intéresse pas. On n'est caché pas dans le sang des boucs. On est caché dans le sang éternel. Aujourd'hui, il y a des sœurs. Je commence à douter de leur foi. J'ai doute de certains frères. Génies m'ont menacé ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si ma vie ne va pas s'arrêter. Et c'est 2022, là, va me terminer. Moi, quand tu dis ces choses, par respect, il ne faut pas dire ça devant moi. Et puis, si génie te poursuit, ne m'appelle pas. Réglez ça. Ça dépend de ce qui est entre vous. Éternel, que ton nom soit béni. Nous avons compris la révélation de ta parole. Nous avons compris qu'il y a un pouvoir illimité dans le sang dans lequel nous sommes. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre sécurité. Le sang de Jésus est notre salut. Le sang de Jésus est notre réconciliation. Le sang de Jésus est notre protection. C'est pourquoi nous sommes heureux de t'appartenir. Nous n'avons peur de rien. Satan peut venir contre nous, mais nous sortirons plus que vainqueurs. Les ennemis viendront contre nous par un seul chemin,
Mais à cause du sang de Jésus, ils vont s'enfuir par sept chemins. Que cela soit ta portion pendant cette saison pascale au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.